Le 30 juin 2004, Spider-Man 2 prend l'affiche au cinéma. 9 ans et 11 mois plus tard, Spider-Man 2 prend l'affiche au cinéma. Ah non, c'est vrai, c'est l'extraordinaire Spider-Man 2. On nous a même pas laissé le temps d'oublier Tobey Maguire, qui est déjà remplacé par Andrew Garfield. Mais pourquoi est-ce que Sony, qui détient les droits d'adaptation au cinéma de Spider-Man, ont décidé de recommencer la franchise à zéro? Et d'habitude, quand on recommence quelque chose, c'est pour le mieux, non? Il faut pas oublier qu'en 2007, Spider-Man 3 a été le plus lucratif de la trilogie qui mettait en vedette Tobey Maguire. Le film a rapporté 890 millions au box-office international. Et même que le 4, le 5 et le 6 étaient en développement. On avait même approché John Malkovich pour qu'il interprète le rôle de Vulture, le prochain méchant de la série. Mais le problème, c'est que Sam Raimi, qui réalise cette série-là, il ne savait plus trop dans quelle direction amener la franchise. Donc, le temps passait. Et le temps qui passe pour Sony, c'est pas du tout une bonne chose. Parce que pour garder les droits d'adaptation au cinéma de Spider-Man, qui est d'ailleurs leur franchise la plus lucrative, ils doivent régulièrement produire des nouveaux films de la série. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir? Eh bien, l'extraordinaire Spider-Man 3 et 4 sont bien sûr en développement, en plus de d'autres films basés sur d'autres personnages de l'univers Spider-Man, comme Venom. Et si le plan diabolique de Sony fonctionne bien, on va bientôt voir à chaque année un ou même plusieurs films basés sur Spider-Man ou d'autres personnages de son univers. Et de cette façon-là, Sony va être capable de garder les droits indéfiniment au cinéma pour Spider-Man, ou en tout cas jusqu'à ce que la tendance des super-héros au cinéma disparaisse, pour ressembler un petit peu à ce que Marvel fait présentement avec leur univers cinématographique. Abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir la face cachée du cinéma, et d'ici à la prochaine capsule, je vous dis bon film!